Madame la Présidente, chers collègues, depuis le début de notre mandat, nous avons mis en place des dispositifs économiques, environnementaux, volontaristes. Nous avons investi pour l'égalité, pour la solidarité et surtout pour l'avenir de nos concitoyens. Entre autres, nous avons agi pour protéger le pouvoir d'achat des familles, pour investir massivement dans les infrastructures de transport, pour l'éducation, sur tous les territoires. Dans le soutien permanent aux entreprises et à la construction de logements, pour une politique volontariste en matière de mobilité, et bien évidemment, agir dans des actions concrètes pour notre agriculture. Oui, la région Occitanie est aux côtés de ses territoires. C'est exactement ce que reflète cette première décision modificative. Je vais mettre évidemment l'accent sur la thématique que je connais le mieux, l'agriculture. L'agriculture est au cœur de notre région, non seulement en tant que moteur économique, mais aussi en tant que gardienne de nos paysages et de notre patrimoine culturel. Je l'ai encore vu ce matin en venant. Tous les paysages sont magnifiques grâce à l'agriculture. Elle fait face à de nombreux défis, aléas climatiques, pression économique et nécessité d'une transition écologique. Ces défis sont autant de facteurs qui exigent des réponses rapides et efficaces. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la région Occitanie, depuis 2016, c'est 2 plans pour l'agriculture bio lancés, une première foncière agricole régionale de France créée, contrat d'agriculture durable créé, renforcement du soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et les CUMA, simplification des modalités d'intervention et accélération du paiement des dossiers, 0,8 million d'euros pour l'accompagnement des ASA hydrauliques, notamment pour la prise en charge du remboursement des intérêts d'emprunt. Le plan eau prend la mesure de la raréfaction de la ressource en eau en s'engageant pour étendre le réseau hydraulique régional et en finançant des projets d'irrigation identifiés comme prioritaires. Aujourd'hui, c'est également l'acte 1 du contrat de filière vitivinicole qui vous sera présenté par mes collègues. Aucune région en France n'investit autant. C'est dans ce contexte que cette décision modificative numéro 1 intervient. Elle a pour objectif d'apporter des ajustements budgétaires essentiels pour soutenir encore et toujours nos ambitions. Pour un modèle agricole souverain, pour des projets agricoles innovants, pour renforcer des aides aux agriculteurs et pour promouvoir des pratiques durables. C'est notre engagement concret à accompagner cette filière dans sa transformation tout en répondant aux attentes des producteurs et des consommateurs. Chers collègues, je vous invite à approuver cette DM qui représente un investissement dans notre avenir commun. Ensemble, continuons à œuvrer pour une région forte et solidaire. Je vous